Bon, vas-y, moi je vais bouger. Ça va peut-être être affiché dans le chat. Salut à tous, re-bienvenue dans Switch de Patrick 3. Nous sommes toujours avec MLDEG et Wotan, et je m'apprête désormais à me diriger dans le Nether. Le PVP est activé, il est donc possible que nous rencontrons des gens, le combat serait alors inévitable. Mais avant cela, il est nécessaire de faire la table d'enchantement. Je vais faire la pioche diams, hop. Elle est où ? Ah oui, oui, j'entends, putain, il y a de l'araignée. Elle est juste au-dessus, franchement, si c'est... Friendly Fire ou pas ? Ouais, mais pas maintenant, t'as le temps encore. Le PVP sera activé dans quelques temps, donc t'as le time. Ok, donc c'est-à-dire que là, au pire, aux F, quoi. Okay. Oui, pour l'instant, il y a le time. Je sais pas pourquoi j'ai pas le son de l'eau. Ah si, elle est très faible. Elle a étouffé l'araignée là. Ouais, je l'ai tué. Putain, mais ça fait un bail aussi qu'on n'avait pas joué ensemble directement. Tu sais que la dernière fois c'était, je crois, pour la série qu'on avait fait là en 2014, Stratosphere Survival. Mais tu te rappelles de ce truc là? Ouais, mais c'était cool en vrai. Ouais, mais ça remonte à il y a quoi? Il y a bientôt 5 ans quand même. C'est trop cool ce truc. Non, mais c'est ça. C'est début 2014, je crois. Ce qui est hallucinant, c'est que. J'ai parlé à ML, enfin, je lui ai reparlé entre temps depuis cette époque-là, mais on n'avait jamais rejoué ensemble sur Minecraft depuis genre ouais, 2013, 2014, tout ça quoi. C'est dans un événement comme ça que je me retrouve à rejouer avec vous à nouveau. Alors que ouais, ça fait quoi? Ça fait. Bah après, ouais, forcément, parce que du coup, nous on a pas mal continué sur la partie survie, toi t'as pas mal continué sur la partie PVP du coup. Ouais, bah ouais. Oui, bah c'est clair, après c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'événement. Et moi, quand je savais qu'il y avait ce genre d'event, j'ai proposé direct à ML, j'ai dit, mais mec, viens, genre, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, viens et on se met ensemble au début. C'est bien parce que comme ça on regroupe les communautés entre elles, et puis ça rappelle des souvenirs aussi à certains. Je sais que dans mes viewers, il y en a qui vont se dire, ouais, c'est vrai, ML2G et Guil, on s'en rappelle, ça date d'il y a longtemps. Je sais parce qu'il y en a qui m'en parle. Si en vrai tu rigoles, mais il y en a qui m'en parlent en vrai. Mais pas beaucoup, tu vois. Il y en aura 2-3. Mais les 2-3, tu vois, les 2-3, manifestez-vous. Mais les 2-3, tu vois, rien que pour eux, tu vois, ça me fait plaisir. Franchement, rien que pour eux. Mais du coup, tu fais plus du tout de survie. Non, moi la survie, ça m'a lassé en fait. Hein. J'en ai fait pendant tellement longtemps, tu sais, avant même que je joue avec vous à l'époque, j'en faisais depuis 2010. Mais même avec les nouvelles versions et tout. Ouais, moi j'ai lâché. Hein. Ça fait longtemps, j'ai lâché les nouvelles versions de Minecraft. C'est allé trop loin pour moi, j'arrivais plus à suivre. C'est allé trop loin. Ah, je te jure, c'est allé trop loin, j'arrivais plus à suivre. Déjà que les nouvelles versions limite avec la 1.9, je galérais. Alors. Il y a Emel qui est en train de se rapprocher. Ouais, mais il est juste au-dessus de nous en fait, je pense. Il doit déjà peut-être nous entendre. Genre, je lui ai dit qu'on était en dessous, donc il va peut-être venir. Moi j'ai un lac de lave ici. En vrai, je serais bien tenté de faire un portail là. Après, vous êtes pas obligé de venir forcément direct. Parce que si vous voulez, on peut se séparer la tâche en mode moi je vais dans le Nether et vous essayez de trouver du diamant et je reviens avant qu'on soit switch pour que je vous donne des potions et on se partage quoi. Ouais, ok. Je pense qu'on peut faire ça, comme ça on se sépare la tâche. Emel va pas tarder à arriver, on va lui proposer ça du coup pour s'il est chaud patate. Ouais. Parce que là, vas-y, moi, y'a pas de soucis. Ok. Ah, juste gaffe de pas prendre des dégâts comme un trou du cul. Normalement, j'aurais juste assez de lave. Donc fais gaffe. T'es où? Je suis pas trop loin de toi, normalement, tu vas me voir bientôt. Ouais, c'est bon, j'ai vu ton ski. Emel! Et il est pas loin, je commence à l'entendre, Emel. Tiens, regarde, au niveau du trou là, je t'envoie un gravel. Ok, merci. Merci. Dans le coin, tu l'as vu? Ouais. En vrai, on a mis un petit peu n'importe où. Bah ouais, moi j'ai Emel correct et il y en avait pas, donc je me suis perdu pour un moment. C'est pas grave, il nous entend ou pas, ce petit zizi là? Parce que moi ce que je disais à Wotan, c'est que si vous êtes chaud, on peut se séparer la tâche en mode moi je peux faire un portail du Nether déjà. Et ça me dérange pas d'y aller et d'essayer de vous ramener des potions dans 15 minutes quoi, grand maximum. Je vois vos pseudos, ouais moi je vais venir, j'ai envie de venir. Vas-y bah go alors. Vous êtes où? On est à côté, attends. Vas-y viens. Putain, au final depuis tout à l'heure moi j'ai pas du tout optimisé mon truc en fait, parce que j'ai pas du tout de fer, du coup moi j'ai même pas une pièce. J'ai fait le con. Bon bah j'ai miné l'opsi, allez, on est parti pour ça, de toute façon. Ah mais attendez, c'est déjà la fin de l'épisode 2? De l'épisode 1? Merde, j'ai pas vu. Ben, ça fait 7 minutes hein. Ah, je l'ai pas vu. Moi je l'ai remarqué quand on avait dépassé le 30 secondes de l'épisode, je fais merde déjà. Bon vas-y, bah arrête de casser mon délire. Du coup, bon, bienvenue, par contre fais attention Guil, parce que à la base on avait mis les diamants pour pouvoir faire la table d'enchant et tout là. Mais du coup attends, je vais faire une table d'enchant de suite, comme ça au moins ça sera fait. Est-ce que vous avez par hasard du lapis? Ouais, j'en ai plein. Ouais. Impeccable ça, oh lequel talent. Bon, je peux mettre full. Enfin, j'ai trouvé un peu d'or, je peux pas mettre full or, mais déjà au moins je peux être en gilet jaune déjà. Tu devrais les garder pour faire des pommes plutôt. Oui, non, mais t'inquiète, je vais pas me mettre en stuff. Or, c'était du troll en fait. Ah, d'accord, j'ai eu peur, je me disais. Non, mais j'étais vraiment en train de me poser la question si t'allais le faire ou pas, je me disais. Mais non, c'était du gros troll. Oh, ça va alors. Comme ça, du coup, après, tu fais oh là là, on est en gilet jaune, mec. Mais tu déconnes, mais tu sais que le skin original qu'on avait fait, je sais pas si t'as entendu ce que je disais tout à l'heure, c'est on avait mis des gilets jaunes de base. Hein. Ouais, mais vous cherchez trop la merde aussi. Ouais, on l'envoyait à Pierre, il nous a dit non, c'est bon, arrêtez vos conneries. Non, mais c'est net.
Non, mais nous on était chaud, hein. Moi je m'étais emmerdé à faire un skin gilet jaune hier, mais. Ouais, c'est pas une bonne idée ça. Non, mais Pierre il nous a dit stop du coup. Parce qu'après, hein, c'est pas une bonne idée ça. Non, comment ça c'est pas une bonne idée? Et du coup, là si je calcule bien, on va avoir tout pile 20 minutes pour faire le Nether, ça va être chaud. Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être chaud, mais ça se fait. Hop. Ok, donc j'ai la table. Je la pose là. Est-ce que je peux me filer un peu de la piste, s'il te plaît? Depuis tout à l'heure, je suis en train de bouffer, de cramer toutes mes pioches, en fait. Tu sais quoi, à la limite, moi, je ferai la suite de mon enchantement dans le Nether, en fait. Hein. Je vais pas me. Ok, donc moi, c'est bon, si jamais vous voulez. Il y a déjà le portail qui est là. Si jamais, je voudrais bien un d'or supplémentaire pour me faire au moins juste une pomme. Tiens. Merci. Du coup, on fait quoi? On split ou t'y vas? Bah, après, le truc, c'est que je pense que c'est pas une bonne idée qu'on y aille tous les trois, honnêtement. Bah, vas-y, parce qu'on va perdre du temps. Si tu veux venir, ML, tu peux, sinon tu peux rester avec Wotan. Comme tu le sens, hein, franchement. Comme vous ah, j'ai envie de bouger, moi. Bah allons-y alors. On se retrouve après. De toute façon, il y a les flèches, si jamais. Bon, vas-y, moi je vais bouger. Ça va peut-être être affiché dans le chat. Ah, ça. Ouais. Ok, mec. Bon. Du coup, attends. Les coordonnées du portail. Ah, il faut le noter, ça. Je te laisse les noter, je regarde un petit peu déjà. Et du coup, c'est toi qui as eu l'achievement du Nether. Ok, c'est bon. Ouais. Il nous faut une forteresse très vite. Là, par contre, je vois que dalle dans ce Nether de mort. Juste prendre un peu d'XP. Ouais, on va prendre un tout petit peu d'XP, puis hop, on va se finir ça tranquillou. Mais tu vois, comme je disais à Wotan il y a 2 secondes, mec, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué ensemble, c'est genre, sur Minecraft. Ouais, à l'époque, c'était tes petites séries à toi, hein. Mais ouais, bah ouais, c'était mes séries à moi quand on faisait les UHC. C'était des sortes de mini-Elix, là, que je faisais, t'en avais fait 2, et après, bon, il y avait eu des problèmes, donc voilà. Mais ouais, je me rappelle, mais depuis ce jour-là, mec, ça a tellement évolué. Ça a fusé, hein, parce que toi, au final, derrière, t'as bien grimpé en termes de visibilité YouTube PVP. Et toi, t'es passé au YouTube, tout ça, quoi. Et c'est quand même incroyable, parce que les gens, pour vous expliquer, quand même, hein, nous deux, on se connaît depuis l'époque Dailymotion, et on a commencé à jouer à Minecraft à peu près ensemble, quoi. Et on a commencé, ouais, je crois, notre aventure, c'était en 1.2, un truc comme ça, 1.2. On avait fait une aventure de 50 épisodes sur Dailymotion, on a fait une partie sur vidéo. Putain, c'est trop vieux. 2013, hein. Les gens, hein. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans les coms, ils vont se rappeler de ça. C'est obligé, c'est pour ça, de base, que je voulais qu'on se mette ensemble. C'est juste pour raviver la petite flamme dans certains, tu vois. Bah, je t'avouerais que ce soir c'était quand même un peu chaud. Je me suis dit, allez, je vais quand même faire un effort parce que les dernières fois que j'ai pu venir, finalement j'ai pas pu rester. Mais là. Au moins une fois, tu vois, ça me plaise. Parce que là, putain, c'est vrai que ça fait tellement longtemps. Bon, allez, il nous faut une forteresse assez vite là. Parce que si elle est switch dans 20 minutes, il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir les potions assez rapidement, quoi. Puis bon, et switch de Patrick, en vrai, quand j'y repense, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'y en a pas eu. Il y a une forteresse là-bas au fond. Tout droit là-bas, putain, au fond. Tu vois bien, toi, la vache. J'ai render distance. Ah oui, 12. Je la vois, ouais. Ah ouais, d'accord. En plus, c'est une forteresse d'intérieur, on va pouvoir avoir les potions normalement, si tout se passe bien. Après, honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà passé par là. Le pauvre Otan, on l'a laissé tout seul. Oh, c'est pas grave. Non, mais en vrai, comme ça, au moins, on va revenir, il aura trop du diamant. Putain, je me suis foutu sous le bluff, quel con. Par contre, je crois qu'il y a le PVP maintenant, et on peut se taper entre nous. Hein. Ok, on va faire gaffe. Hein, qu'est-ce qu'on a par là, du coup? J'essaie de monter là-haut pour voir. Ouais, c'est en hauteur qu'il faut passer. Hein. En vrai, tu sais quoi, c'est pas une très bonne idée, je pense, par là. Par contre, pitié, pas de wither squelette ou truc comme ça, hein. Par contre, c'est... Mais c'est bon, y a pas de mob dans le Nether, là. Ah si, y'a des pigmen, mais à part ça... Oh, c'est tellement risqué, mec. Attends. Mais non, easy. C'est toi le pro de la survie, hein. Moi, je m'y connais pas, hein. Ok, Nether Wart 3, je vais prendre les selles parce qu'il y a les chevaux, hein, je te préviens. Donc si tu vois des selles, n'hésite pas. Et donc, j'ai de la Nether Wart déjà, donc ça, c'est bon, ça. Yep, on aura juste qu'on se tape quelques blazes et ce sera good. On peut encore en retrouver, je pense. Par contre, là, c'est un cul-de-sac. Je vais aller voir par là. De toute façon, il y a une autre partie de forteresse d'intérieur. Et je crois que t'as eu de la Nether Wart, ouais, c'est ça. J'en ai que 6, mais en vrai, ça fera l'affaire déjà. Puis au moins, déjà, c'est cool, hein. Si on arrive à avoir les potions en premier et qu'on bloque le Nether pour tout le monde, c'est vraiment cool. Hein. Par contre, comme on n'a pas un stuff incroyable, va falloir se méfier. Et puis surtout, je crois qu'il y a le PVP déjà. Donc si on voit des gens, ça va être. Chut. Pourquoi pas ici. Des choses intéressantes. Encore de l'or. De l'or, ouais. Je te laisse regarder encore. Encore une selle en diamant si jamais tu veux, hein, n'hésite pas. J'espère vraiment qu'on va croiser personne par contre, parce que ça me ferait chier de devoir nous fight épisode 2 là, alors qu'il n'y a même pas eu les switch. Ah, ça peut arriver, hein. Après oui, ça peut arriver, c'est le jeu aussi. Hein. Mais en vrai, je pense qu'on entend quelqu'un, on se tait, quoi. Ouais. On se tait, on essaie de se planquer quelque part, on les laisse faire de toute façon. Il y a encore de la Nether Wart, on va tout prendre. C'est la team de Bill. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Donc c'est Bill, Hyper et Ika. Par contre, il y a des wither squelettes, fais gaffe, il y a des wither squelettes à côté.
toute façon, mec, on est sur... t'es sur l'IQ maintenant. Je pense que c'est bon pour la survie. Oh putain, j'aime pas du tout ça, mec. Oh, j'aime pas du tout ça. Comment j'aime pas ça, mec. Vite, on descend, on descend. J'aime pas ça du tout. Sauve-nous. Mec, mec. Faut qu'ils viennent, par contre. J'aime pas du tout ça, mec. Tu veux pas qu'on trouve un spawner en vrai? Attends, attends, viens, viens, on va faire ça. Mais j'aime pas du tout ça, là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh, belle, ça va fou, hein. Je suis hyper prudent, c'est surtout ça le truc. Je suis pas forcément très bon, mais je suis hyper prudent, donc forcément ça aide. Moi je suis vraiment aucun des deux, donc je suis hyper maladroit et... Il y a un spawner tout droit. Tout droit? Non, tout en face. C'est pas très sécurisé, on tente quand même? Vas-y, tente quand même. Je vais à gauche, tu vas à droite. Ok, et dans... bon l'autre derrière c'est mort, qu'on se le dise. Tiens, 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 prends ça comme ça, t'as l'achievement. Ah yes, merci. Tu sais, les UHC avec les achievements à l'ancienne comme ça, c'est vraiment cool. Hein. Je trouve ça, ouais, hein, carrément. On est de retour. Ça met une petite pression aussi aux autres joueurs. Hein. J'aime trop. Mais de base, on devait avoir les vrais pseudos quand il y a des morts ou quoi, mais là, il y a pas du coup, j'ai pas compris pourquoi. Okay, j'ai pas, fais gaffe à ça. Fais gaffe, hein, ça tire. T'en as combien des blaze rods là? Seul. Ok, il nous en faudrait... En vrai, il y a pas les potions de force, donc juste... Non, c'est juste pour la fire race qu'il nous faut. Et il nous faut un magma cream pour ça. Faudrait qu'on arrive à se partager au cas où on vient être switch, histoire qu'on ait une partie tous les deux. Bah ouais, au moins. Hein. Et en fait, tu vas voir, on va être switch tous les deux dans une team différente et Wotan il va se retrouver tout seul. Le pauvre. Non, mais non, je pense c'est pas possible normalement. Ah, je brûle. Tu veux une pomme? J'en ai deux, c'est bon, t'inquiète. Toujours qu'une blaze rod, hein, c'est un peu chiant ça. Ouais, tu veux qu'on aille chercher des blaze autre part? Peut-être que c'est le spawner qui nous aime pas. En fait, j'aime pas trop rester dans le Nether longtemps parce que je connais les gens qui jouent et je me dis, bon, ils vont pas hésiter à venir quoi, assez rapidement. Ouais, et puis dès qu'ils trouvent la forteresse, de toute façon ils vont voir qu'on est ouais, c'est ça. Là, surtout s'ils arrivent à 3 et qu'on est 2. Après, c'est pas impossible, tu vois, c'est pas impossible. Un 2 contre 3. Tout peut arriver, tout peut surtout arriver. S'ils sont épans, surtout s'ils sont enchantés pas. Enfin, si on est enchantés pas eux. Ah, j'ai pas vu ça. Oui. Ah, par contre, c'est chiant qu'ils se barrent, les mecs, quoi. Ouais, moi, mec, on est tellement en train de prendre des dégâts. Non, mais vraiment, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vas-y, vas-y. Y'a pas l'attaque roulade là pour enlever les dégâts de feu là? Tu peux pas qu'on. En vrai, j'en... Ah, le PVP va être activé, ok. Ah, dans 10 secondes, ok. Du coup, ça va être la fin de l'épisode 2. Et ben, on se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 3 déjà. Putain, passe une vitesse incroyable par contre. Ouais. Ok, salut. On s'en sort plutôt bien pour l'instant, même si niveau PVE, c'est pas encore trop ça. Disons-le clairement, je me fais porter par ML2G dans ce Nether, travail d'équipe, tout ça, tout ça. Le prochain épisode contiendra donc le premier switch. Un joueur parmi chaque team va être échangé avec un autre joueur aléatoire. Quoi qu'il arrive, même si je switch, je détiens la table d'enchantement, l'enclume et de quoi faire des potions. Bref, pour une fin d'épisode 2, j'ai plutôt un très bon stuff. Ici, j'ai une chance sur 3 d'être switch. Après, vous connaissez ma chance, hein. Quand il y a des probabilités, bah c'est pas trop mon truc. Les probabilités, vous avez une chance sur 3, j'ai jamais le une chance sur 3. Donc si je suis switch déjà une fois, c'est pas mal. Donc attention, réponse dans 3 secondes. Mais bon, on sait jamais, peut-être que la roue finira par tourner. La réponse dans 2 jours, et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines.